Nous délaissons avec Benen Danan, qui je crois que Ken Douko présenté, Rap Gal Sen, mon nek Jamal, Akan Jamal, nek Danan. Donc, nous avons fait le cinéma pâté, nous avons fait l'événement pour Mac Binga Hamantan et Josie, de faire Wadjel son projet, madame Ben Mixtape, après l'album Stop. Donc, nous avons fait le cinéma pâté, nous avons fait l'album expliquer Guy. Oui, mais man, c'est une confirmation que j'ai eue, hein, parce que l'artiste Josie, je l'ai connu à travers Abbas, Binga Hamantan, franchement, grand, beaucoup, cool, sympa. J'ai des relations amicales très intimes. Dany Wartan, ça n'a rien à voir avec le hip-hop, mais aussi avec le hip-hop, Dany partage les affaires, barré. Franchement, c'est une confirmation parce que l'artiste Josie, elle est d'abord d'une maturité. Ça manque à beaucoup d'artistes ici au Sénégal. Elle peut faire, une carrière internationale. Et ça c'est ce que je lui souhaite. Et je crois en elle, fondamentalement, parce que c'est une casa 16 d'origine. Nous avons gisat muy valoriser le rap classique lan nga yeuk wa mais xam nga lolou mo lay won comme lima wax sank maturité bi ak lucidité bi nga xamanteni peut-être avec le coaching de Abbas l'artiste Josie là l'autre chose que je voudrais souligner moi kikay bagel kikoy defal background yak yoy c'est mon élève koku mako jangal ba mu am bac mu nek ebad dem ebad am diplôme tay elle fait mako bolek Abbas sax boy set mais franchement koku dafa dik fi bu intelligente super intelligente. Déjà, en terminale, elle faisait presque la meilleure note en philosophie. Donc, elle s'appelle Sohna Diop. Elle vient d'ailleurs de se marier. Je vais dire heureux ménage. Mais franchement, vous voyez, le mélange Boumou Indi avec le classique, avec la modernité, parce qu'elle n'exclut même pas la modernité. Je vais dire que c'est un film, je vais dire drill et tout. Mais franchement, classique, affaire Yande Kodou, culture Djola et tout. Le Dalai Wani, c'est une artiste qui est ancrée dans ses racines, mais elle cherche aussi à créer quelque chose d'original. Et cette originalité-là, c'est ce que nous avons besoin pour donner une nouvelle âme à notre musique. Mais de femme, ben affaire, bon, aussi, de mon côté, c'est très rare que les anciens, nous avons eu lieu de encadrer les boys, comme nous avons dit Abbas. Il y a aujourd'hui, si on a eu à l'égard de Abbas, voilà, il y a des anciens qui ont eu aussi. Bon, pour moi, Lolo, c'est fort discutable, hein, parce que moi, j'ai vu Gaston Bandi Mike, par exemple, le dernier projet qu'il a fait, et même le projet actuel, pas mal d'autres artistes, peut-être ils ne sont pas trop sous les projecteurs, mais Abbas, il faut dire chapeau à Abbas, parce qu'il a su dénicher une artiste pétrie de talent, mais une artiste surtout qui a beaucoup à prouver, qui a beaucoup à montrer au monde, et nous osons espérer qu'elle va vraiment hisser très 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 haut le drapeau du hip-hop garçon. Mashallah. Donc koku moy Hakan Jamal aka Dia Defender Sir Jamal. Un dernier mot que je voulais dire, un dernier mot, c'est la sortie prochaine de ma vidéo Love. Ça s'appelle My Gambian Goddess. My Gambian Goddess, c'est Bougnoué. Gaay xamné mbeugël mbeugël deugantan ndjay amna ñuko mom amna ñuko mëna woy té ñoñu képp lañ ko wara bayil parce que mbeugëlu fala fala ak tiala tiala mbeugëlu jaaganta ko ñoo jokk Dia Defender donc koku moy le phénoménal Sir Jamal rap 221 ñu doxantu xol ñeneen.